ensemble, nous ferons en sorte que le ministère de la Culture en particulier et tout le peuple ivoirien en général nous soutiennent afin que la Bissa, qui est certes apparemment une simple danse, mais qui est une danse sacrée et qui contient surtout de très très grandes valeurs, il faut en sorte que cet Abissa soit accepté par l'UNESCO pour en faire un patrimoine immatériel de l'humanité. Nous pensons que compte tenu des grandes valeurs, des grandes valeurs que renferme l'Abissa, nous pouvons parvenir à réaliser ce vœu.